Et première édition du carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Les trois jours d'activité ont été clôturés avec un grand concert qui a réuni des artistes des armées des pays de l'AES, donc de l'Alliance des États du Sahel. Militaires, paramilitaires et populations civiles étaient réunis, ambiance avec Momouni Wanga. De la musique pour adoucir les cœurs et participer à renforcer la paix et la cohésion sociale. Bienvenue à la première édition du Carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Un rendez-vous qui réunit sur scène des artistes issus des rangs des corps militaires et paramilitaires du Burkina Faso, mais aussi du Mali et du Niger. La cohésion sociale maintenant, je crois qu'elle est indispensable à la vie d'une armée. Surtout quand on est ensemble, dans le cadre des trois pays, se connaître, évoluer ensemble, nous connaître mieux, ça nous permet d'avoir maintenant un bon résultat. Ici, population civile et forces de défense et de sécurité exécutent des pas au rythme de l'orchestre des Fama, les forces armées maliennes. Jusqu'au bout de la nuit, les artistes se succèdent, chacun à son rythme avec des colorations bien variées. J'ai eu l'honneur de participer à ce festival avec la FDS et j'ai eu le plaisir de les voir dans un autre cadre festif, bien joyeux. Ça n'arrive pas souvent vu le contexte dans lequel on vit, nos trois pays solidaires ensemble. Vraiment, j'ai apprécié d'être là avec eux pendant ces trois jours. Avoir cette émulation entre frères d'armes, avec la culture comme trait d'union, les organisateurs voient en ce rendez-vous un pari réussi. Notre objectif ici, c'est de vraiment créer un cadre d'échange et d'expression entre forces de défense et de sécurité, promouvoir la cohésion sociale et aussi le talent artistique des FDS. Nous sommes satisfaits parce que ça n'a pas été chose facile. Réunir sur toutes les institutions, ce n'est pas du jeu. Mais on a tenu le pari, on a rêvé grand, on a réussi à tenir l'activité. On est fiers. Ce concert est la dernière étape de cette édition du Carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Du côté des organisateurs, l'on a le regard tourné vers l'édition à venir. Mais avant, en groupe ou en solo, les spectateurs profitent de ces instants de communion avec leurs forces de défense et de sécurité.